Confédération africaine de handball a programmé le championnat d'Afrique dans la même période que les Jeux méditerranéens. C'est ce qui est scandaleux. Je vous le dis tel que je le pense. Le calendrier de ces Jeux, il est connu depuis des années. Et quand on organise des Jeux méditerranéens ou des Jeux olympiques, ils ont des Jeux organisés par les comités olympiques, on doit tenir compte, quand on est une fédération continentale, on doit tenir compte de ce calendrier pour éviter qu'il y ait une superposition des compétitions. Donc, avec le président du CIGM, on en a parlé la semaine dernière, on a eu une réunion là-dessus, et on envisage d'interpeller Thomas Barr, le président du Comité international olympique, pour qu'il intervienne auprès de la Confédération africaine de handball pour changer de date. Voilà, c'est clair, et on ne veut pas de concurrence, c'est une forme de trahison par rapport au travail, à l'investissement des comités olympiques qui, eux, s'investissent pour ces Jeux méditerranéens qui rassemblent les 26 pays méditerranéens et les 26 comités olympiques méditerranéens. Nous avons hier visité la piscine, le bassin olympique, nous avons le chantier donc, du bassin olympique, nous avons aussi la salle Omnisport. Très franchement, j'étais agréablement surpris. Très franchement, j'étais très inquiet début décembre. Mais là, j'ai vu qu'il y avait quand même une évolution extrêmement rapide. Et aujourd'hui, je crois que les travaux seront terminés fin février, début mars. Donc ça va, quoi. C'est impeccable. Ce sera un bel équipement pour Oran, pour les Jeux méditerranéens. Mais ce sera aussi un bel équipement pour l'héritage, pour la suite. Parce qu'il faut aussi parler de l'héritage. Ces Jeux-là vont laisser des traces à Oran. Février, Inch'Allah. ما بين 25 و 27 فبراير وين ترجع لجنة التنسيق مرة أخرى ونزيد نشوفوا من الاجتماع اللي انتهى اليوم إلى الاجتماع المقبل ماذا تفعل لجنة التنظيم ثم نقيموا هذا الشيء في المحطة الجاية.